Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vais vous présenter cette répondeuse de type Eurosprayer. L'Eurosprayer, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle fait partie de notre gamme de matériel dit essentiel qui répond notamment à deux critères. Le premier critère qui est un critère de simplicité et le deuxième critère qui est un critère de robustesse. Donc c'est pour ça que ce matériel a été conçu pour répondre à des environnements exigeants, notamment en termes de chaleur et de poussière, sans pour autant laisser de côté la polyvalence, puisqu'on peut appliquer tout type de liant bitumineux sur une plage de dosage allant de 100 g à 2 kg au mètre carré. Maintenant, je vous invite à découvrir avec moi ce beau matériel. Avant de vous parler plus en détail de ce matériel, ce qui est important pour nous, c'est de vous rappeler aussi l'histoire de ce produit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été conçu à l'époque par une société qui s'appelle Rhincheval, que certainement un grand nombre d'entre vous connaissent. Rhincheval était à l'époque le plus grand constructeur et le plus ancien constructeur de répondeuses en France, puisque l'entreprise a été créée dans les années 1900 et a été très vite reconnue pour ses matériels de répandage de précision et aussi son expertise en ingénierie bitume. Donc pour répondre à ses objectifs d'internationalisation et puis aussi parce que ses clients de l'époque demandaient à Rhincheval un nouveau type de matériel, ils en sont venus à concevoir cet Eurosprayer tout en gardant les deux critères que je vous ai énoncés tout à l'heure, simplicité et robustesse. Pour commencer, je vais vous donner une vision d'ensemble de ce produit en vous donnant les caractéristiques principales. Ici, on a une citerne de stockage de liant qui est capable de contenir 10 000 litres et qui est associée avec une rampe à genouillère de 4,20 m de large. En ce qui concerne cette zone-là, on a une zone dédiée pour l'opérateur avec un certain nombre de vannes manuelles réduites au minimum pour simplifier l'utilisation du matériel, tout en sachant qu'en application, tout se fait depuis la cabine. Ce qui est également important de constater, hormis l'aspect simple d'utilisation, comme je vous l'ai dit, c'est la robustesse et le soin apporté à ce matériel, notamment au niveau des matériaux utilisés, des composants, mais aussi et surtout des capotages. Comme vous pouvez le constater, on va venir capoter le dessus de la rampe pour protéger le faisceau pneumatique des diffuseurs, ou alors on va avoir une armoire électrique qui va être à la fois accessible et à la fois protégée de toutes les conditions extrêmes auxquelles vont être confrontés ce produit. Je vais maintenant vous présenter plus en détail la citerne. Donc, comme je vous l'ai indiqué, la citerne dispose d'une capacité dans le modèle présenté qui est de 10 000 litres. Et ce qui est important de constater, c'est la forme de cette citerne qui est une forme. Donc cette forme-là, ça présente plusieurs intérêts. Le premier intérêt, c'est que ça permet quasiment de carrosser ce modèle de répondeuse sur n'importe quel type de porteur. Ça, c'est un premier intérêt. L'autre intérêt également, c'est qu'on est sur une largeur réduite qui nous permet d'expédier le matériel en container pour un montage local lorsque c'est le choix retenu par notre client. Donc ça, c'est clairement les deux premiers avantages. L'autre avantage également d'avoir une forme cylindrique de ce type, c'est d'avoir une isolation tout autour, hein, qui se situe derrière cette tôle de protection longue durée, d'avoir une isolation parfaitement homogène de 100 mm tout autour de la citerne. Bien évidemment, on a une citerne qui est isolée, mais on a également un système de chauffe. Pour ce type de matériel, on est parti sur un type de chauffe qu'on appelle une chauffe directe, dans le sens où on va avoir une flamme qui va cracher dans un tube foyer. Le principal intérêt de ce type de chauffe est d'apporter un maximum de calories en un minimum de temps pour porter rapidement à température le produit. Donc, dans 100% des cas de figure, le système de chauffe est alimenté par brûleur à fioul. Il est maintenant soit manuel, soit automatique. Le modèle qu'on vous présente aujourd'hui est équipé de sa version automatique avec son boîtier de pilotage qui va venir permettre de sélectionner la température souhaitée et d'avoir un allumage et une régulation automatique de la température. On le voit également ici, ça c'est le réservoir qui permet d'alimenter le brûleur, qui permet d'avoir une autonomie d'à peu près une journée de travail. Comme vous pouvez le constater également tout en haut de la citerne, on a également équipé le matériel d'un trou d'homme qui a deux intérêts. Premier intérêt ou première utilisation qui est le chargement en liant par le haut de la citerne, mais aussi deuxième intérêt qui est de pouvoir de manière périodique réaliser une inspection de la cuve par l'intérieur si c'est nécessaire. Voilà, donc encore une fois, ce modèle-là est une cuve de 10 000 litres, mais on est capable de vous proposer quatre modèles, 7 000 litres, 10 000 litres, 13 000 litres et enfin 16 000 litres pour les plus gros chantiers.
Après vous avoir présenté la cuve Alliant, et pour garder un sens logique de présentation du matériel, je vais maintenant vous décrire comment est constitué et de quoi est constitué le circuit Alliant. Donc, avant toute chose, avant de vous parler du circuit Alliant, je vais vous parler de cette passerelle, puisqu'en fait on a fait le choix d'équiper notre matériel de cette passerelle, hein, de conception robuste, hein, vous le voyez, de manière à apporter à l'opérateur un accès ergonomique et sécurisé aux différents organes du circuit Alliant. Donc maintenant, quels sont les organes principaux du circuit Alliant? Premier organe important, c'est la pompe, puisqu'il faut savoir que le répondage est assuré, hein, ce qui est le cas pour toute répondeuse de qualité, par l'intermédiaire d'une pompe à engrenage. La particularité sur ce matériel-là, c'est que la pompe, hein, qui est en bas de la cuve au milieu, est immergée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la moitié de la pompe se retrouve à l'intérieur de la citerne, l'autre moitié de la pompe est à l'extérieur. Ça permet quoi? Ça permet tout simplement à ce que la pompe soit à la même température que le produit dans votre cuve. Ça veut dire que le jour où vous démarrez votre chantier, vous vous assurez que vous n'avez pas de problème de gommage de pompe. Ça, c'est le premier organe important. Dans les autres organes importants qu'on peut lister, il y a également les différentes vannes qui permettent de choisir en fait quel circuit ou quel chemin on va faire emprunter le liant sur la machine. Donc là, cette même pompe est équipée de deux vannes qui permettent de gérer ces opérations. Et vu que les vannes sont sur le corps de la pompe immergée, elles bénéficient elles aussi des calories apportées par la cuve. Autre organe important que vous pouvez voir ici, hein, qui est en option, un filtre qui va lui prévenir la pompe de tout colmatage dû par une polymérisation trop importante de votre produit ou éventuellement des corps étrangers qui pourraient être présents dans la citerne. Parlons maintenant de la rampe. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, on a équipé ce modèle d'une rampe à genouillère. Donc, qu'est-ce qu'une genouillère? Eh bien, typiquement, une genouillère consiste à avoir une partie articulée de la rampe. Ça permet quoi? Ça permet tout simplement d'avoir une largeur de répondage supérieure à la largeur de gabarit du camion. Donc, en transfert, eh bien, évidemment, on va venir replier intégralement la rallonge dans le gabarit du camion. Et aussi, deuxième intérêt, c'est qu'en cas d'obstacle, si la rampe tape dans cet obstacle, elle va venir par elle-même se rétracter dans le gabarit, ce qui va permettre de prévenir toute casse du matériel et encore une fois contribuer à la robustesse. Comme vous pouvez le voir, la rampe est constituée de trois parties, trois corps. On a un corps central ici qui est donc dans le gabarit du camion et les deux allonges, ce qui va nous permettre au total d'offrir à nos clients une largeur de travail de 4,20 m. Autre point important à constater, ce sont ces petits faisceaux blancs qui sont en fait l'alimentation en air des diffuseurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'opérateur directement depuis la cabine va pouvoir gérer sa largeur de répondage en direct live. Ensuite, comment est acheminé le liant depuis la pompe? Eh bien, le liant est acheminé par l'intermédiaire de flexibles liants haute température qui vont permettre de distribuer de manière uniforme le liant sur toute la largeur de répondage. Enfin, dernière caractéristique de la rampe, on a une mise à hauteur indépendante à gauche et à droite qui est possible, là aussi pilotée directement depuis la cabine, qui vont venir permettre quoi? Eh bien, de mettre à la hauteur appropriée la rampe, ce qu'on symbolise ici avec ce petit repère visuel afin de garantir un triple recouvrement et donc une distribution homogène du liant sur la largeur de son chantier. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a également la possibilité de vous offrir une rampe de type télescopique. Là, la principale différence, ça va être entre autres d'être doté d'une largeur de travail un peu plus importante puisqu'on passe de 4,20 m à 4,80 m. Je vais maintenant vous présenter le poste de pilotage de l'opérateur. Suivez-moi, on va monter en cabine. Je vais donc maintenant vous présenter le poste de pilotage de l'opérateur. Il est constitué de deux organes, c'est tout. Un ordinateur avec son afficheur et un joystick. Donc, qu'est-ce que nous apporte l'ordinateur afficheur? Eh bien, plusieurs choses. Dans un premier temps, ça va nous permettre de venir paramétrer les conditions d'utilisation de la machine, par exemple ici le dosage à réaliser au mètre carré avec la possibilité de l'ajuster y compris en cours de répondage. On va être capable, lorsque la machine est équipée d'un brûleur automatique, de l'activer ou de le désactiver directement depuis la cabine. Et puis on a aussi également un certain nombre
de messages et d'informations, tels que par exemple ici le voyant Q mini qui indique qu'on se rapproche de la limite minimum pour permettre de réchauffer le lion qui se trouve dans la cuve. Autre avantage également de cet ordinateur, c'est que ça va nous permettre d'asservir le dosage en lion et donc de garantir que la quantité qui est déposée au sol est rigoureusement constante, quelle que soit la vitesse d'avance du matériel, mais aussi la largeur de répandage. Enfin, dernier petit plus de cet écran intelligent, c'est que ça va nous permettre d'avoir une notion de quantité réalisée par jour, que ce soit en quantité de lion, donc en litres consommés, mais aussi en kilos au mètre carré. Voilà, donc un suivi en quelque sorte de la productivité de la machine. Et enfin, on a donc le joystick qui va permettre avec une seule main, et quasiment je serais tenté de dire deux doigts, hein, de venir gérer directement la rampe, que ce soit en termes de mise à hauteur ou de sélection de la largeur. Et ensuite, avec le bouton arrière, on va venir démarrer et stopper le répandage, tout simplement. Voilà, j'espère que cette première vidéo produit vous a plu et qu'au travers de mes différentes explications, vous avez pu comprendre toutes les caractéristiques et les performances qu'on est capable de proposer sur ce type de répondeuse Eurosprayer, qui est vraiment un allié de choix pour les chantiers de couches d'accrochage, mais aussi d'enduits superficiels dans des environnements exigeants et avec tout type de liant. Continuez de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux et sites internet, parce qu'on va vous en réserver d'autres. À bientôt.